Les compagnons. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle pêche à l'aimant du même côté où on était l'autre jour sur l'autre côté de l'écluse. Allez les amis, je vous préviens dès que j'ai un truc. Next. Bon les amis, premier lancer hein. Bon, j'ai pas mes gants, hein, ils sont juste à côté, hein, vous inquiétez pas. Premier jeté, hein, vous pouvez constater qu'il reste encore des déchets. Et regardez, un petit truc pour fermer les robinets d'eau. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Pourtant, il fait pas froid, il y a le soleil. Voilà. Bon, bah les amis, je décroche ça et je vous reprends si j'ai un truc. Allez, à toutes. Bon, les amis, regardez-moi cette boue de métal. Il y a quelques pêcheurs qui sont pris dessus. Ah oui, regardez. Ça, ouais. C'est un émerillon. Bon, j'ai pas trop y toucher parce que s'il y a un hameçon qui traîne là-dedans. Voilà. S'il y avait ça, il y a d'autres trucs aussi. Hop là. Regardez ce qu'il y a. Une petite cuillère. Je vais bientôt faire un service complet dans pas longtemps. Puis ça, c'est un reste de clé, ouais. D'outils, ouais. Bon, bah, allez, les amis. Allez, au prochain jeté. Next. Bon, bah, les amis, hein, encore de la pollution. Hein. Tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment hallucinant. Je pensais pas qu'il y en aurait encore autant. Bon, bah, allez, je rejette l'aimant. À tout de suite. Allez, les amis, encore une belle brochette dotée de pollution. Hein. Franchement, c'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut retrouver. Et regardez, un morceau de ciseau. Un reste de ciseau, en fait. On a que des moitiés aujourd'hui. Tout à l'heure c'était la pince, on avait que la moitié. Puis bon, bah des clous. Hein. Bah les amis, on va essayer de se faire un petit direct juste ici là pour voir ce qui se passe. Pour voir, on va essayer de faire un ou deux jetés, on va voir. Allez les amis, à tout de suite. Le jeté du campagnard. Je pense qu'il y a plus de pollution du côté de l'écluse qu'à la sortie de l'écluse en fait. Alors, voyons voir si on a un truc. Ah si, on a quand même un truc hein, apparemment. À moins que ça soit des petits clous. Ah non, en fait. Hein. Pas grand chose. Hein. Juste des petits cailloux, des petits trucs comme ça. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. C'est des... ouais. Des petits bouts, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose de ce côté-là. Hein. Bon, allez, je rejette un petit coup. Et après, on passe de l'autre côté. J'aime pas faire des coins où il n'y a rien. Là-bas, c'est bien pollué, ça accroche bien, il y a de la belle brochette là-bas. Et c'est pas plus mal que ça soit pas pollué ici. En fait, toute la ferraille, dès qu'ils ouvrent les écluses, en fait, toute la ferraille, elle rentre dans l'écluse et elle reste bloquée dedans. Parce que vu que c'est une matière assez lourde comparée aux bouts de bois qui flottent, bon, il y a des bouts de bois qui flottent, qui coulent aussi. Hein, une fois qu'ils sont bien gorgés d'eau, ça coule. Hein. Bon, ouais, les amis, il n'y a vraiment rien de ce côté-là. Il n'y a rien du tout. Allez, les amis, on se reprend de l'autre sens. Encore de la pollution, hein, encore plein de trucs. Hein. Franchement, c'est vraiment abusé hein, tout ce qu'on peut retrouver. On va pas trouver de pépites aujourd'hui. Hein. On va pas trouver un truc qui va nous intéresser, même pas une petite monnaie, rien. Par des déchets. Voilà, je vous reprends. Allez, next. Allez, les amis, encore une belle brochette de boulons, de clous. Vous voyez un peu tout. Hein. Il y a un peu de tout. Allez, les amis, je vous reprends. Allez, next. Regardez. Ça, c'est de la belle brochette. Bon. On a quoi? On a une chaîne. Sacrée chaîne d'ailleurs. Ouais, ça doit être une laisse de chien. Ouais, il y a encore le maillon là. Je sais pas. À voir. Ça sera déjà plus dans l'eau déjà, ça c'est sûr. Mais regardez. Ça c'est une belle découverte. Moi j'aime bien cette petite découverte là. Ah, et en plus c'est un Suisse. C'est un couteau suisse. Bon, il va finir à la poubelle. Hein. Il est tout abîmé, mais ça fait juste plaisir de voir le logo de la Suisse.
Eh ben, Sarah, détection, petit big up, je te le dédicace à toi alors. Juste pour le logo. Bon, on a quoi? On a une paire de ciseaux. Bon, cassé encore, hein. Ah, et puis on a un reste de chaîne, chaîne de mobilette, une connerie comme ça. Voilà. Bon, bah, les amis, je vous reprends à la prochaine brochette. Allez, à toutes. J'ai vraiment eu peur là. Je croyais que c'était, vous savez, les mines où on marche dessus, tout ça. Bah, je suis pas connaisseur, mais ça y ressemble vachement. Et j'ai eu mon petit coup de flip quand même, hein. Mais bon, c'est pas ça, je pense pas. Boum! Non, je rigole, imagine. Et là, une clé, une vieille clé, une petite clé. Bon, je vais essayer de la restaurer pour vous, celle-là. Et à ma grande surprise, une monnaie. Une monnaie de 10 Pfennig. Je crois que ça se dit comme ça, Pfennig. Voilà, c'est... ça fait vraiment plaisir, ouais. De 1950 exactement. Voilà. Bon bah les amis, c'était peut-être sûrement la plus belle trouvaille du jour, on va dire. Allez, on sort. Allez les amis, regardez ce lancer. Le retour du lancer. Hein. On a encore une paire de ciseaux. Hein. Aujourd'hui, on fait que ça, hein, des paires de ciseaux. Hein. Pas tout jeunes ceux-là. Hein. Regardez comment ils sont travaillés. Ils sont pas d'aujourd'hui ceux-là. Et là, on a une lime. Parce que ça affiche ici. Et alors là, on a une deuxième ligne, une lime plutôt. Et à mon avis, je pense que la vidéo, je vais la surnommer comme ça. Pêche à l'aimant, je lime le coin. Allez, ça sera le titre de la vidéo. Et bon, bah quelques cochonneries encore, hein, comme d'habitude. Allez les amis, on se reprend. Et je vous tiens au courant s'il y a un truc. Allez, next. Bon, les amis, encore une brochette, hein, c'est vraiment hallucinant, hein, tout ce qu'on peut retrouver, regardez, encore une chaîne. Puis là, on a une belle pointe, ça doit être une pointe 220 ou une pointe 260. Pour moi, ça doit être une 120, pour moi. Ça doit être ça, un clou de 120. Voilà, puis bon, bah la cochonnerie, hein, comme d'habitude, ça change pas. Allez, au prochain. Et, hein, encore une belle brochette, hein, comme j'appelle ça, une belle brochette. Voilà, regardez, il y a des clous, des vis, tout ce qu'on peut retrouver, c'est vraiment hallucinant, tout ce qu'il y a. Bon, bah allez, je ramasse. Bon les amis, c'était la dernière brochette, hein. Voilà. La dernière brochette de ferraille, un petit bout de cuillère. Ouais, c'était vraiment la dernière, le dernier jeté. Allez les amis, je ramasse ça et je vous montre ce qu'on a trouvé ensemble. Allez, next. Bah les amis, je viens de recevoir un colis ce matin. Voilà, alors dedans, il y a... ça, ça et ça. Voilà, de la part de Fred et Lolotte. Je remercie fortement, franchement, du fond du cœur. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je vous poste le petit lien là. Voilà, franchement, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Ils font du contenu détection super. En tout cas, les amis, on se reprend pour une petite briefing du reste de la ferraille. Et encore merci, Fred et Lolotte. Bon bah les amis, hein, le bilan d'aujourd'hui, on va dire, allez, parce que là on voit pas, mais allez, je vais dire, allez, à peu près 5 kilos, à peu près, hein, 5 kilos. Et là, c'est les trouvailles, on va dire, un peu hors du commun, bah, que j'aime bien un peu trouver, bah, c'est autre chose que des boulons. Alors voilà, on a une clé de robinet, on a une cuillère, on a un ciseau, on a ce couteau suisse. Bon, hélas, je vais pas le restaurer, hein, parce qu'elle est pas mal rouillée. Hein. Et cette petite clé-là que je vais garder pour restaurer, mais puis je vous la montrerai. Et puis cette petite monnaie-là qui fait plaisir, c'est le petit cadeau de la journée, on va dire. Voilà. Bon, bah les amis, sur cette pêche à l'aimant, je vous laisse. Et encore, si vous voulez retrouver cet aimant-là, je vous laisse le lien ici. Voilà. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine pêche à l'aimant. Allez les amis, next. Abonnez-vous au campagnard. Le chef, c'est le campagnard.